Hello, bienvenue pour la seconde partie de notre vidéo chasse villageois. Nous avons utilisé 13 tickets dans la vidéo précédente et n'avons pas trouvé grand chose qui nous intéressait. Donc là, nous allons continuer avec les 27 tickets qui nous restent. Donc, ne perdons pas de temps et allons-y directement. Oui, donc, pour repartir sur ce délire de compter à partir de 42, on en a dépensé, si je me trompe pas, 13. Donc, on est à 42, du coup, là, on est sur notre 56e île. Oui. Lobo. Marina, c'est ça. J'étais trop content. Oui. Bon, bah là, c'est bon, attends, s'ils vont arriver, on l'entendra. Du coup, ça prend 5 côtés. Du coup, là, c'est notre 56e. Oh non! On l'a croisé dans la première vidéo. Oh non! Cette deuxième vidéo commence très mal. Il est cool, Octave. Oh! Ça fait très intéressant. Changer ma couleur. Mais que j'aime bien personnellement. Mais oui, Octave, ça. Pour débuter la deuxième vidéo, ça pose problème. C'est pas le meilleur des départs. On va pas lui reparler. Non. Surtout que la première fois qu'on l'a rencontré, je crois que c'était sur cette île. Hein. Pour croire qu'il nous a ramené pas la même. Non, mais non. Faut bien faire des. Au bout de quand même de 55 îles, faut bien faire des. On a été plutôt chanceux. 55 îles pour presque 400 villageois. Avoir 3 doublons, 3-4, ça passe. Ça passe, je veux. De notre côté. Non, par contre, c'est le villageois d'après. C'est un autre doublon là, ça va moins le faire. Bah là, du coup, la deuxième vidéo serait mise à terme assez. Oui, du coup. Bon, après, on pourrait faire une petite partie, je sais pas, les monstres et villageois dans notre ville. Oui, on pourrait. On pourrait. Oh! Ça fait 60, ça fait peur. Hein. Oui. Oui. Moi, c'est ça. Ce qui est un peu peur avec le stream, c'est que c'est en live, du coup, tu dis quelque chose de manière, enfin, de pas approprié sans faire exprès ou genre de choses. Oui, c'est ça. Oui. Très prudent. Oh, oh non, non, non. Ah, j'ai pas hésité. Ah ouais. Non. Phoenix. C'est un premier, c'est techniquement la même espèce à l'époque. Je pense que ça ferait un peu du bon, mais bon, après, oui, c'est vrai que la première fois, t'avais flashé sur elle. Je t'avais dit non, et après, on a vu quelque chose de bien. On a vu quoi? C'était pas. Blanche? Oui, c'était. Ah oui.
Du coup, ouais, elle s'appelle Julia, si je ne me trompe pas. Un coup de cœur quand même, mais bon, après tant de tickets, je sais pas si on peut se permettre de... Tu veux un chat? Non, chat, t'as Linette, hein, t'en demandes beaucoup, ouais. Ah oui, sur cette île-là, tu veux en... Ah, Néferti. Je pense que... Après, au niveau chat, la rêve veut pas qu'on a... Je crois pas tant que ça. Ouais, Néferti. Ça se trouve, ouais, ouais, c'est quand on va en place, pas forcément te plaire. Non, je oui, mais c'est techniquement pas un doublon parce qu'on a pas besoin de... C'est pas un doublon pour notre séance. Oui. Non, ça fait... Bah du coup, c'est pas mal. On adore cette expression. Non, mais... Par contre, il est où le meuble? Voyons. Après, il n'y a pas de mal à comment. Oui, non, je ne vais pas le contraire, mais personnellement, j'aime pas du tout. Les couleurs, c'est pas un... Tu sais que j'ai un gros point. Non, parce que je sais pas. On a déjà eu une solo. Bon, comme ça. Du coup, enfin, ouais, parce qu'en fait, je suis pas en Animal Crossing, moi, en général, je suis vraiment pas fan du jeu. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment des trucs à poil. Oui, elle est mignonne, mais j'aime pas les couleurs. Je crois qu'il y a que des mammifères dans ma vie. Parce que Charlène... Charlène Marilou, Didi, Cookie, Myrti, Capri, Judy, enfin Laura, du coup, si on part sur le passé. Patty, oui. Béa, Mathéo aussi. Oui, j'ai dit. Je crois que j'ai fait le temps, ouais. Oui, bah, Cookie, c'est les paris dans les jeux. Il y en a quelques-uns quand même. Oui, parce que, enfin, Pauline ça passe, mais Pekoué c'est plus stylé. Blanc ça passe, mais Vidi c'est plus stylé. Austin ça passe, mais Vidi c'est plus stylé. Non, mais bon, après, quand t'as plein. Enfin, quand pour chaque langage, t'as un prénom différent, pour chaque langage, ça commence à faire beaucoup. Parce que Patty en français ça s'appelle Patty, mais Patty en anglais c'est une vache. Une vache vive, très marrant, parce qu'on va tout le tuer. Patty, c'est la deuxième vidéo que j'ai croisée sur une île, et elle était sur l'île bambou. On sera à faire son grand retour. Quand je te parle des... Oui, quand je te parle des hippos qui sont vraiment moches, ils ont des cheveux comme ça. Qui leur tombent bien sur le visage, tu vois. Qui font un peu gras. Mais non, mais c'est vrai! Mais être un taureau, ça aurait déjà été pas stylé. Non, mais c'est vrai, quitte à être un matador, autant être dans le... jusqu'au bout. Tu as pas une attente familier, t'es en mode. Hé! Je vais être un matador! Non. Une sorte de question. Bigoudi, la bricoleuse. Je sais plus qui c'est, Bigoudi. Peut-être déjà dans ma tête. Il s'appelle Olaf, lui, je crois. On a des plus 16, oui, du coup, c'était la 58e, du coup, on s'approche de la 59e. Oh là là, on s'approche du 60. 60, c'est techniquement le quart de tout ce qu'on a fait. Enfin, les trois quarts, pardon. Oui, peut-être pas. J'avoue que là, niveau, je suis désolé pour tous les chiffres que j'ai de la Terre. 59. Ah non, mais on aurait dû être surchargé. Ou alors c'est genre une infirmière Joël, il a plein de...
Burnout. Burnout. Haha, yes indeed. Attends, j'ai déjà oublié son nom anglais d'ailleurs. Maurice. 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 Bah oui. Bonjour, je suis Maui le dodo. Je n'aurais pas prendre le temps comme ça. Désolé. Mais c'est rigolo. C'est rigolo de dire Maui comme ça. Bon, concentre-moi. J'ai mal au genou à force. Si, c'est ma poule préférée. Si, c'est non, mais je sais, mais c'est Eva. Eva, c'est la première villageoise à avoir emménagé. Enfin, il était villageoise au départ, et c'est la première à avoir emménagé dans ma ville. Elle est restée pendant 2 ans. Après que Martin soit parti, elle était toujours là. Elle a fini par partir au bout d'un moment. J'ai loupé, mais voilà, Eva, je la porte dans tout mon cœur, et si les gens l'insultent, je m'en fiche. En plus, elle a même anniversaire que mon ami Paige. Du coup, si tu l'insultes, et bah tu es très bête. Merci. Mais bon, je suis très tenté. Oui. Bon, je peux peut-être... Oui. Je suis très très tenté de... Oui. Parce que j'ai tellement de nostalgie. Mais bon, je suppose que Martin suffit pour la nostalgie, mais... Oui. Ouais, mais bon. Eva, elle est haut sur ma liste, hein. Elle est sur la liste de ceux que je considère. Marito, ça. Niche. Je veux une niche. Je vais mettre Cookie de... Oh non, quelle horreur! Horrible. En vrai, non, je peux pas me permettre de prendre deux villageurs juste par nostalgie. Je t'aime beaucoup, Eva, mais... En vrai, j'hésite grave. J'hésite beaucoup trop. Je devrais probablement juste partir. Mais regarde-là, elle est pas moche, elle est très cute. Elle est basique, mais elle est cool. Elle a une belle tenue. C'est l'un des seuls que je tolère. Je suis sûr que les viewers vont être en mode « Ah là là, mais tu hésites sur un village aussi nul !» Mais non, mais je la tiens dans mon cœur, toi, pour comprendre. Mais m'en fiche pas. Avec New Horizons, j'avais justement envie d'élargir mes horizons. C'est le nom du jeu. Et j'ai vraiment bien réussi, j'ai pas trop raccroché à mes anciens sons, j'ai vu Charlène et Patty. Le reste je crois que c'est un peu différent. Non, il y a aussi Mathéo. Bah attends, Mais du coup ouais. Il y a des Martin qui fait office pour la nostalgie. Je pense pas que, sachant que je dois avoir que 5 villageois sur la nostalgie, c'est moitié. Je sais pas si c'est sage de la fin. Et puis de toute façon pour l'avoir mon ami qui est parti dans le jeu. Elle a même type de comportement que mon ami Paige qui a même manière sur lequel. Bah Paige c'est ma Eva, voilà. Ouais. Ah pardon. Oui, et puis après elle est tellement peu populaire qu'après je trouve que c'est pas trouvable. Tellement elle est pas populaire. Oui. Oui, je crois. Et pendant ce temps-là, moi j'ai ma petite passée. Ouais, d'ailleurs, ouais, j'étais là. Je te rappelle par l'époque où tu m'as acheté les... Ouais, les cartes. Et quand j'ai acheté la série exprès, il y avait Martin. Vous avez fini par la voir. Petit Martin. Oui, il est pas... Bon, je suis content que ce soit plus marquant, c'est juste avant. En fait, je connais personne qui aime particulièrement Martin. Alors, peut-être j'ai vu sur un serveur une fois ou deux, il a été évoqué. Non, c'est pas... C'est le genre de villageois, en fait, où les gens... Oui, c'est le genre de villageois où les gens ne portent pas vraiment attention, mais en fait, si tu vas dans ta ville et que tu prends le temps pour faire ta ville, bah... En fait, il est pas complètement... C'est pas... Il est pas comme Eva, en fait.
n'est pas complètement neutre, il a l'histoire des paupières et c'est sympathique qu'il aura vraiment son charme. Quand avec ses paupières, c'est un peu trop bleu à mon goût, mais bon. Oui, il passe son temps à faire des Naruto run. C'est ça qui est génial. Non, 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 ça m'a 15 minutes. Oh, ça passe trop vite. Bon, attends, j'ai pas mal de temps sur Eva. Par contre, si Eva, si Eva retombe, il se peut que je cède, pour le coup. Mais bon, elle va pas retomber, il y a une raison. Oui, mais c'est pas, il n'y a pas beaucoup de chance que ce soit elle ou double. Par contre, si tu retombes sur un personnage qui est pas rapide pour la troisième fois, là, on va commencer un peu à saturer, je pense. Qu'avons-nous ici? Qui êtes-vous, ces gosses? Oh non! C'est un autre doublon! Non, attends, quoi que. Est-ce que. Oui, c'est lui! Le kangourou comme tout. Oh, un autre doublon! Justement, on parlait de doublon, on aurait dû se taire! Aïe 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 aïe! Oh bah tiens, on va partir rapidement! Oh! Sympa! C'est bien, j'aime bien tout quelqu'un! Voilà. Donc, lui s'appelle Walter, je crois. Bah, je sais plus si c'est son nom. C'est anglais ou les deux. C'est la fin de la vie. Bon. Mais ouais. Bon, c'est pas le pire de la zone coupée, il est sympa. Non, je pense que c'est le meilleur kangourou. Ouais. Tous les personnes. Ouais. J'avoue que ouais. Après sinon on peut là, faire un peu en sorte que celle-là soit longue, hein. Un peu longue que l'autre. Si jamais on se rapproche de la fin. Après, ça dépend de notre rythme. On a été plutôt lent sur la première. On en a dépensé 18. Bon bah c'était la 60e, Walter. 61e. Ça, en vrai ça a plus longtemps. On est que à la 61e. Ouais, sûrement. Mais moins dans l'action, quoi. Oh, c'est pas trop mal, hein. Par contre, on a 61ème mille. On a dépassé le cap des 60, il nous en reste 22. On espère. Donc, première île après le cap des 60. Que va-t-on ? Première île après bah, les 3 quarts, hein, je pense qu'on peut considérer ça. Quoi. Bon, après, si avec tout ça on a rien, on aura tout. On a toujours, genre, je crois que t'es petit en stock, on a toujours quelques miles à dépenser. Oui, oui, j'en ai encore. Et puis sur. Oui, on a un peu en train de rien donner. Alors, ça, c'est une. C'est une blague. On parlait. Tu sais ce qui est drôle? On parlait justement de arriver en 3 fois. Devine qui est la personne qui, durant mes chasses, est apparue 3 fois? Lui. Bon, Octave, je t'aimais bien à la base, mais maintenant je t'aime plus. Oh. Île de caca! Oh non, non! Sérieux? Poulpe nul. C'est le pire des poulpes. Pire des poulpes. Non, mais oui! C'est offensant. Ça va aller. Oui. Je pense pas que c'est sorti de là. Téléphone mural. Octave, bon, si on recroise Octave, on tape avec un filet. Et je crois que beaucoup m'ont tapé sans avec un filet si tu regardes son commencement dans la vanne. Puis il y a quoi, tu le sens suer avec sa grosse bouche. Il est la plus grosse. Techniquement. Il bat même elle. Non, c'est pas gentil de dire ça. Je suis désolé, c'est comme une réunion. Non. 62ème, est-ce qu'on reste sur une bonne vibe pour le 2? Oui, pour le 2.
que entre Boulogne et Marina. Non, non, parce que Boulogne a beaucoup hésité. Hein. Peut-être autant qu'Ava. Ava. Ava. Non, oui, ok, je me tais. Par contre, j'avais désolé d'avoir dit Ava, Ava sans prénom. Parce que Ava en anglais se pense Ava. De commenter, c'est vrai que. Oh, un jeu qu'elle va lancer, c'est toi. C'est moi qui touche à ma nette, ok hein. Rodrigue. Ah oui, Rodrigue, c'est Wilbur. Maurice. Je l'ai. Retrouver le prénom anglais de Maurice. Oui, il faut aussi applaudir Wilbur, on avait dit. Tiens, on va. Attends, non, on va pas faire maintenant, parce que comme c'est un après, on peut espérer, hein. Qui est là? Oh, c'est. Vous. Qui êtes-vous? Mireille. Vous êtes très rose, Mireille. Comme si vous ne manquez pas grand-chose, naturellement, vous portez du rose. Oui, mignonne, mais flashy. Hein. Je crois qu'on l'a déjà croisé. Je sais plus si c'est. Enfin, c'était juste. Ça devait être moi sur une de mes chasses. Bon, oh. Il est pas ouf. Bon, elle est mignonne. Bah, c'est pas du level de certains. Par contre, de loin comme ça, j'ai eu un petit doute dans un moment que c'était peut-être Megan et l'ours Lorson que on avait passé. Mais d'ailleurs, si on retourne dessus, je me répète. Merci. Ça se trouve, être devant. Bon, bah, sa maison est pas ouf, mais il y a quand même un tas de miel. Oui. Ah bah oui, c'est un gros facteur pour nous. Hein. Il y en a, ils passent que parce qu'ils ont une maison. Oui. C'est déjà arrivé. Genre... Ah, m'a pas applaudi. Bon, est-ce que le fait de pas applaudir, ça va me porter chance ou malchance au moment de vérité. Moment de vérité, est-ce que ne pas l'avoir appelé cette chance ou pas sur cette la 63e possiblement. Je crois que... Oui, parce que c'était la 62e avant. On était en mode... Ah, deuxième. Deux. Du coup, 63e. Ça n'a pas fonctionné. Oui. Du coup, peut-être que le fait de l'avoir appelé, de ne pas avoir appelé, va nous porter chance ou de la chance. Si vous voulez mon avis, c'est plus de la malchance. Bon. En fait, on n'y croit plus. Pourtant, c'est que du hasard, hein, techniquement. Bon, on s'imagine des fagas des facteurs. Mais c'est aussi. J'étais à l'œil. Coucou, Hopper. C'est d'aller Hopper en anglais. Oh bah tiens, hop, on va partir. David Ward, je sais pas ce que c'est, on s'en va. Ah, et si. Ça paraît logique. J'ai de voir ça sonne. Au revoir, hein, pardon. C'est pas que t'es moche, mais t'es pas ce qu'on cherche. Par contre, c'est un des villageois qui a des détails un peu sur leur modèle. Enfin, genre Nico qui a la corne, Drago qui a le dragon, lui il a les sourcils. Je sais pas ce que c'est. Non, ça va, il m'a fait grave. Bon, on n'a pas applaudi. Quel idiot. Non mais on va t'applaudir toi, tiens. Est-ce que tu vas nous... Tiens, on t'aime. Rougi. Ok, on a compris le message. Ok, on a 21. Non, c'est bien 63ème, on repart sur la 64. Mario 64, la Nintendo 64. 64, on va voir Alfonso, parce que c'est un grand fan de Mario. Je le dis tout de suite. On va voir Alfonso parce que c'est un gros fan de Mario. Sa signature, c'est It's a Me, une des anciens Animal Crossing qui porte un t-shirt Mario. Du coup, on va voir Alfonso pour faire référence à la 64. La N64. Regardez donc. Et si c'est le cas, bah je hurle.
Ce serait une bonne coïncidence en vrai. Ça a été. Pas comme beaucoup de gens. C'était un peu la période où Nintendo commençait vraiment à être connu. Ouais. Oula. Alors, des cascades. Oui. Lundi. Oh non, c'est encore lui. C'est un autre doublon, c'est Boris, le Ganondorf là. Non, 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 non. Oh. Vous avez rien vu, ça va être coupé au montage. Non. Bon, on commence vraiment à avoir des doublons là, c'est un peu douloureux. Ah non mais là... Oui, c'est la faute de Boris, il m'a jeté une malédiction à la Ganondorf. C'est ça. Croyez-moi. Bien sûr, c'est un magicien, waouh. Bon, on va faire sur les chaises de l'île. Allons voir. Bouteille, histoire qu'on puisse partir. Non, je crois pas. Enfin, peut-être. Non, je crois qu'on l'a vu sur l'île. C'est pour le plus. Une rivière, il est un peu vers la droite. Voilà. Je crois qu'il était là. Bah oui. Bon, 64. Eh hey. Au final, la théorie du 64, c'était pas si bête. Bah oui. Enfin, je suis désolé, mais si vous êtes pas d'accord en disant que c'est Ganondorf, il y a un problème. Parce que c'est un. Enfin, Ganondorf, pareil, parce qu'il a, le thème égyptien, un peu désert, tout ça, les Gerudo. Un cochon. Couleur. Ouais. Oui et non, il est plus bleu normalement. Ganondorf, mais oui, on s'en rapproche quand même. C'est vraiment. C'est bleu foncé, mais lui il est plus clair. Hein. Mais du coup, ouais. C'est très menaçant. C'est Villager Ganon. Même s'il y a vraiment un villageur qui s'appelle Ganon, mais on va pas en parler. Disons que c'est son successeur. Dans notre prochain Zelda, on aura Alfonso, le héros du temps, qui combattra Boris. Oh là là, Breath of the Wild 2. J'espère qu'on aura des infos. Oui, des infos. Donc, on a un autre forcément, mais. Là, il y aura un autre. Non, bah, ils ont intérêt. Je suis désolé. Qui avons-nous ici? C'est mon singe préféré. Vous jouez avec mes émotions, le jeu là. Il s'appelle. Oh, Magogo, ok non. Magogo, c'est nul comme prénom en français en vrai. Ça me repose pas tant que ça, mais j'aime bien parce que c'est un singe blanc et c'est très original du coup. Mais voilà. Disons que par rapport à certains. J'aime. Ah. Si, j'aime bien. Mais il y en a que j'aime plus, voilà. Ouh, je devrais sortir mon jeu. Il y a mieux, quoi. Je pense pas. Succomber à ça, quoi. Faut pas craquer là-dessus. Même si, franchement, là, depuis tout à l'heure, le jeu, ça va pas être initial. Mais... Eva. Avec qui d'autre, Bouloche. Mais bon, ça compense avec Marina. Moi, c'est quand qu'il va te tester, toi? Bon, on arrive à une heure en soi. Mais moi, j'ai déjà pas été fier. C'était douloureux quand même. Vidoir. Bon, on a déjà eu un vidoir. Par contre, on va commencer. Bon, limite, on pourra le faire entre vie. Enfin, après la vie, à la fin de la vidéo, tu vois.
D'ailleurs, on a combien de temps? 30 minutes. Ah, ok. Et j'ai regardé pile, mais moi ça passait à 30. C'est magnifique. Le talent. Non, c'est pas le hasard, c'est un talent. En vrai, jusque-là, on a pas eu trop de malchance. Hein. Parce qu'on avait vraiment des villes populaires comme Cherb et Patou. Boulogne, c'était bien, Marina Gouvillère. C'est bien. On a pas eu trop de pièges qui sont vraiment pas attirants. Ils ont fait tous quelque chose à peu près, je trouve. C'est pas ce qu'on veut. Mais bon, en 80 tickets, on devrait avoir au moins un deuxième souhait. Enfin, techniquement, on est en 49. Troisième. Parce que le souhait dépasse 15 quand même, je dirais. Hein. Les souhaits de nous tous au total, on sera rendu 15. Je pense qu'on va tomber sur un mot. C'est assez large. Enfin, techniquement, il y en a 12 qui restent. Du coup, non, 13. On a eu que 2. 13 qui reste. Quand on a indiqué, on va avoir un autre. Je pense. Non, mais... Oui, tous ces doublons qu'on a fait quelque chose de bien. Enfin, de pas de bien. Non, mais bon, c'est les lois du gacha. Hein. Bon, oui, oh, mais celui-là il est relativement facile à avoir de loin. Il est dans l'angle. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? J'ai vu une libellule. Oh ah non, je crois que c'était Cookie, mais non, c'est Gori moche. Pardon, ne faites pas moche, mais Gori super héros qui, oui, qu'on a beaucoup évité, Par contre, Denis, comment il y a un reflet au cul. Ça me fait rire. Non. Bah, allez original, mais quitte à avoir un gorille féminin, je préfère avoir celle qui a. Bah, allez rose, c'est une fille. Bon, mais j'espère que c'est la logique. En fait, ils ferment les Power Rangers, du coup, tous les garçons allaient prendre rouge et bleu, hein. C'est bien connu. On a réglé les bombes ensemble, là. C'est uni, j'en ai eu. Attends. On va prendre ça, on va pas... On commence à en avoir beaucoup, du coup. Et encore, j'en ai déposé 7 chez moi. Enfin, là où je peux faire. Parce que j'ai pas encore fait mon personnage sur cette île, donc on va enregistrer ici. Bah, je passe. Je te dis au revoir, moi j'ai Gertrude. Oui, c'est une vie parce que quand tu commences à partir, elle est à gauche. Enfin, quand tu dors, pour dire le terme exact. Est-ce qu'on va tomber sur quelque chose de bien dans cette partie? Limite, si jamais on en dépense pas mal dans cette vidéo, limite on pourrait faire un petit restock entre les deux épisodes, peut-être. Restock rapide. On verra. Oh, de toute façon, c'est en partant du principe qu'on tombe sur personne. Et c'est possible. On est bien, tout le monde est bien, mais... Oui. Alors, il nous en reste 16 du coup. On avait pensé 24, 66, donc là c'est 67. Oui! On se rapproche du 82 quand même. Enfin, techniquement, avec tous nos tickets qu'on a en stock, enfin, rien qu'avec le tien et les siens, on peut atteindre 200, je pense. Peut-être. On verra bien. De toute façon, si on fait ça une mini-série, on fera d'autres épisodes dans tous les cas. Parce qu'on va faire d'autres chasses. Non, après, c'est pas que je fasse des chasses tout seul. On va voir. Qui avons-nous ici? Qui êtes-vous?
Oh. Mais c'était bien au début, mais après ça. Non. Mais Eve l'a vu dans une. Non mais arrêtez que vos ruches avant les. Oups. Alors. Merci. Tu m'as presque. Opération Phoenix, tu veux dire Opération Faustine. Mais oui, Eve l'avait eu dans Unif, je crois. Je crois. Elle est pas restée, oui, certainement pas. Je ne fais que dire. C'est vrai qu'en général, elles sont pas ouf. Il y en a une que j'aime bien, c'est la souris cuisinière, mais. Ah ouais. Un problème. Le dernier. Okay. Ouais, ça fait des remarques, ça peut être en hauteur. Il n'y a pas de gazon à temps. Voulons rentrer. Où allons-nous? Mais non, ce n'est pas pour te faire rire. Oh, il a rougi direct. Ok, ok, c'est ok, possible. c'est Lille, ok, ok. C'est Lille 68, c'est la bonne, ok. C'est bon, on va avoir un villageois, un souhait. Tout pointe là-dessus. Noir, je vais pas me coucher, moi. Nous partons, c'est la bonne, je le sais. On espère. Bah, du coup, maintenant, on espère grave, on va être déçu. Oui, ça va être. J'aurais dû me taire. Aïe, 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 aïe. Bah, du coup, maintenant, si c'est vraiment un truc pas ouf. C'est ça, je sais pas. Moi, je verrai. Non, je verrai. C'est pas de la question, je verrai. Il n'y a pas de voisin. Oui. Oh, c'est Gail. Oh. Oh. Gail. Et toi? Oui. Tu es une amie? Oui. Odile, en principe. Comment ça vous, un coco? Ouais, t'aimes rien, tu veux juste les chats et tout ça. Non. Un truc normal, hein, pardon. Un truc normal. Non, mais bon, écoute. J'aime beaucoup les gays. Enfin, j'aime pas beaucoup les gays, je l'aime bien. Mais c'est pas un truc que je. Pour les gars, je sais, rien. Je crois qu'il y avait une meuf qui tombait. Il n'y a vraiment pas de bouteille. Oh. Meuble. Des miles. Mmh. Ah du coup voilà, donc on pourra défoncer ça, ça ouais. Mmh. Oh, mais tellement de.
Wow, trop de oui, choses. Voilà, ça fait... Pour une potentielle partie supplémentaire, on ne sait pas si ça marche. Non. Ouais, peut-être que ça. Ouais, peut-être que l'une de sera la bonne. Parce que dans 10 minutes, on sera à la 70. 70, ce serait symbolique. Oh, bon, c'est pas grave, vous n'avez rien. Ça te coupe au montage, n'est-ce pas, évidemment, Minella. C'est un silence de la part de Minella. Accompagné d'un regard. Je sais du blagoune. Oui, spontané. Bon, plug deux îles dans cette vidéo. Est-ce que celle-ci sera la bonne? Est-ce que celle d'après sera la bonne? Vous découvrirez ça dans le prochain épisode. Croise les doigts. Oui. Aïe. Le silence. Oui. Oui, on va dire ça. C'est petit. Oh. Oui. Donc ça, je pense que c'est un des pires. Enfin, je suis désolé pour ceux qui aimeraient pas ça. Mais c'est, je trouve que c'est un des aigles les plus ennuyeux. Bah, attends pas le temps. Une gap, puis une autre. Ah. Congélateur. Oui, bon. Je sais pas si c'est intéressant là, de prendre. Bon, et eh bien, nous allons nous diriger vers notre dernière île. C'est pas un glitch. C'est une erreur dans la map. Allez, on prie. On y va. On est rentré. Du coup, au début de la vidéo, on était à 27 tickets. Du coup, dans cette vidéo, on en aura dépensé. Bah, il nous en restera 12, du coup, bah 15. Mmh. Oui, 15, mmh. Oui, 15. Donc, et dans la dernière partie, si ce village n'est pas le villageois, on passera à la partie suivante. Ce qui sera peut-être pas la dernière d'ailleurs. En tout cas, dernière réponse pour cette vidéo. Criant. S'il vous plaît. Oh dieu d'Animal Crossing. Je ne sais pas s'il y a des divinités dans Animal Crossing. Il y a Serena le. Le Chihuahua, Serena, enfin, je sais plus, je crois que c'est la reine en ce moment. Madame Chihuahua, s'il vous plaît, donnez-nous un de nos souhaits. Si ça marche, je suis très content. Est-ce que c'est un Chihuahua? Est-ce que c'est un Chihuahua? Peut-être donner un chien, peut-être Ramsès? Ah ouais, ça serait bien ça. Allez! Allez! Ramsès! Allez! S'il vous plaît! Allez! Pour cette vidéo! Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Oh, c'est Maëlle. Bon, ben, j'abandonne, je jette. Je vais mieux partir directement. Je prends rien. Au revoir, il. On a pas de temps à perdre avec toi. Au revoir, Maëlle. C'était un magnifique final. Au revoir. Nous partons jamais. Bon bah. Ça n'a pas été très fou.
C'est donc la fin de cette partie, deuxième partie qui... Aïe. Plus que 12 tickets, ou peut-être que nous allons faire un petit restock, on ne saura pas encore, nous verrons. Mais dans tous les cas, nous allons vous revoir dans la vidéo suivante. Bah, j'y crois bien. Ouais. Peut-être que cette vidéo qui justement durera à peine 2 secondes, parce qu'on trouvera directement... Ah non, mais là, il va falloir faire quelque chose. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. Nous, je pense qu'on va parler pour Nagami. On kiffe. Oui, c'est très sympa. Très amusant. Et puis, je c'est pense très que agréable c'est, à faire. C'est très nouveau pour la chaîne, justement, faire ça en vidéo, je pense. Oui, tout à fait. Aussi, c'est la première vidéo en duo. Enfin, ce sont les premières vidéos en duo. Les premières vidéos sur ce jeu. Et ouais, c'est vraiment agréable. Et du coup, on espère que c'est agréable. Enfin, que c'est agréable aussi pour vous, quand même, c'est le but. Oui, on sait que les vidéos c'était un peu longues, on espère que... Voilà, que vous n'allez pas décrocher en cours de route. En tout cas, merci, vraiment encore merci d'avoir regardé, et puis n'hésitez pas à commenter, parce que c'est pareil, un petit commentaire gentil, hein, les méchants, c'est pas la peine. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Oui, vous avez le droit de vous plaindre. Il n'y a pas de censure. Du moment que ça reste poli. Oui, sinon... Merci. Il y aura des représailles. Bon, allez. Merci en tout cas. Au revoir. Salut, ciao. À la prochaine.